If you think I'm Satan reincarnated, I mean careful attention to building and sustaining the liberal international world order, with the United States and Europe at its core. What do you say to those fans? Wow! Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours un plaisir sur YouTube. En ce mardi, on est déjà mardi <laughs> 19. On est le 19 juillet 2022, 10h17 du Québec. Vous l'avez entendu de la bouche même du président des États-Unis, la marionnette en chef du gouvernement mondial. Je m'en fous si vous pensez que je suis Satan réincarné, mais avec les États-Unis et l'Europe au centre de ce gouvernement mondial libéral, progressiste, il n'y a rien qui va nous arrêter pour un nouvel ordre mondial de totalitarisme. Wow! Et on a vu Joe Biden <laughs> incapable de monter les marches de son avion pendant que Shinzo Abe se faisait assassiner, un, un premier ministre très populaire au Japon, anti-globaliste, anti-mondialiste, comme ça, par pur hasard. Et on voit aussi, chers amis, beaucoup, beaucoup de gens ces derniers, euh, dernières semaines qui ont démissionné démissionner après être allé donner euh, leur soutien euh, et serrer la main à Zelensky le président de l'Ukraine Boris Johnson un des premiers à démissionner à démissionner et euh, a donné un soutien indéfectible à l'Ukraine et euh, est euh, disparu du portrait politique donc ça fait beaucoup beaucoup de monde qui disparaissent après être allé toucher à Zelensky, lui-même en personne, le premier, la première ministre estonienne qui démissionne et se prépare à former un nouveau gouvernement. Kaja Kallas a déjà de nouveaux partenaires de coalition, hein, a officiellement démissionné de son poste de premier ministre d'Estonie, jeudi, mettant fin à son gouvernement, mais elle a déjà de nouveaux partenaires de coalition en place. Le 3 juin, Kalas a expulsé le parti du centre-gauche de la coalition du Parti, après avoir exacerbé les tensions sur les politiques de dépenses et de protection sociale. <coughs> Pardon. La démission du premier ministre était une formalité nécessaire. Donc, une autre démission, on a aussi euh, au Sri Lanka. Euh, le président qui a été obligé de s'en aller en fuite, euh, ceux qui ont aussi euh, donné leur appui et ont serré la main à notre ami euh, Zelensky. Et on a Mario Draghi, qui euh, est la figure la plus puissante hein, euh, des, euh, de l'Europe, Premier ministre de l'Italie, qui a remis sa démission. Le président l'a refusé, mais quand même, c'est juste une question de temps, mais je, sais, je pense que c'est peut-être déjà fait, mais tous ceux qui étaient euh, allés euh, donner leur soutien à la marionnette, euh, que ceux dont plusieurs appellent la marionnette euh, Zelensky, le président de, de l'Ukraine, ont démissionné. Le Kremlin euh, disait même le 7 juin, Boris Johnson ne nous aime pas et ne, nous ne l'aimons pas. Donc... Tous ces dirigeants mondialistes de cette organisation mondiale qui nous gouverne, qui était quand même du monde fort, ont tous, euh, ou sont, se disparaissent tous, et les autres sont de moins en moins populaires, Macron, Trudeau et toutes les autres marionnettes libérales, progressistes de ce genre, face à l'insatisfaction mondiale des populations avec la misère qui s'installe, le résultat de leur politique on s'en va vers quelque chose de complètement épeurant, et ça je vous le dis souvent, on va avoir une nouvelle cuvée de dirigeants, tous ces dirigeants-là s'en vont tranquillement, et on va nous ramener des gens qui vont nous donner rapidement l'enfer sur Terre et qui vont nous faire glisser, nous, l'Occident, vers le fond de la cuve, des gens complètement idéologues, technocrates, cravatologues, inconscients de... La misère des gens. On, parle, on pense à des gens comme Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, un cinglé s'il en est un, qui est allé visiter la Maison-Blanche pendant que Biden est, en, est au Moyen-Orient et essaye de monter les marches de l'avion <laughs> sans trébucher. Et tous ces dirigeants mollassons qui vont arriver, qui sont vraiment les marionnettes. De ce gouvernement libéral, c'est Joe Biden qui nous le dit lui-même. Hein? Vous pouvez m'appeler le Satan. Ça ne me dérange pas vraiment. On regarde ça encore une fois. Joe qui essaie de monter. <laughs> Et qui nous dit... I don't care if you think I'm Satan reincarnated. Wow! Je m'en fous si vous pensez... Et vous croyez que je suis Satan réincarné. Donc un ordre solide, permanent, libéral, avec l'Europe et les États-Unis au cœur de ce nouvel ordre mondial. Wow, chers amis, préparez-vous. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne sais pas comment on va vivre, de quelle façon on va vivre, mais ce sûrement pas des années de paix qui nous attendent. Quand on sait en plus que, imaginez-vous aux États-Unis, tu as 25 de la population qui est prête à prendre les armes contre son gouvernement. Un quart des Américains sont prêts à prendre des armes. Pourquoi pensez-vous qu'on veut désarmer à ce point les Américains du côté des démocrates, des libéraux, des progressistes Ben, ça, ça t'en donne un peu une idée. Il y a eu des guerres civiles, des révolutions. Ça se peut qu'il y en ait une vraie, de vraie maintenant, avec la misère qui s'est installée et ces gens qui poussent leur agenda un petit peu trop loin.